Autre chose dans ce journal, clôture à Kinshasa le 30 juin du Festival des Nations qui a tenu pendant 5 jours à l'église des Nations dans la commune d'Engalema. Cet événement était riche en enseignements sur l'histoire glorieuse de la RDC avec perspective de bâtir à l'unisson la nation congolaise par le travail et les bonnes œuvres. 30 juin, c'est l'atterrissage du grand Festival des Nations sur le tarmac du 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Une célébration en mode action de grâce associée à la congolaise, c'est sur cette note que l'Église des Nations marque l'entrée de l'hôte de cet événement. Le docteur François Callot a axé sa prêche sur le grand Congo dont chaque chrétien est appelé à bâtir à travers des actions. Durant 5 jours, les fidèles ont été édifiés par les orateurs venus des différents blocs de la RDC sur les repères historiques du Congo, des richesses et des personnalités qui ont marqué l'histoire. Tout dans une dimension de prière. Le but de mon enseignement de ce matin, c'est de pouvoir éveiller la conscience du peuple de Dieu, surtout des chrétiens, pour que nous comprenions que le devenir de notre nation exige de l'implication de notre part, exige du travail de notre part. Nous devons lutter contre ce qui divise, nous devons travailler pour l'unité, investir, aimer notre pays, prier pour notre pays, travailler pour la grandeur de notre pays, comme nous le chantons dans notre hymne national. Conformément aux Saintes Écritures, le Festival des Nations avait aussi adressé une prière en faveur des gouvernants de la RDC. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous prions pour notre présidence de la République, pour le gouvernement, pour l'armée, pour les services de renseignement. Et nous prions aussi pour la police qui font un grand travail pour que nous vivions en paix. Pour les organisateurs, le message issu du Festival des Nations 2023 tend à influencer positivement la nation congolaise dans le travail, la prière et la cohésion nationale.